Il vient de me couper mon ravitaillement. Ok. Il vient du strip. Ah, le side skirt. Parfait. Et on est arrivé en touche un nouveau fade pack grâce à notre montée de. Ah! Celui-là m'intéresse un petit peu moins pour le moment, mais lui, bon, il est très cher. Mais c'est normalement un très très bon. Bon, c'est pas quoi. Très très bon leader. Mais c'est un vieux d'office. Et ça coûte cher, 3 points. Oui, ça peut être intéressant. Et on a trade. Pas mal de choses intéressantes. Pas mal de choses intéressantes. Bon, bien entendu. Mais ça, c'était tout à fait logique. Alors, forêt d'affaires. Nous venons de trouver, grâce à Zandmark, la combat armure. Oh, merci mon ami, vous êtes vraiment trop gentil avec moi. Ah. Budget. Bon, ça c'est maintenant, on a besoin de changer cette priorité ici, puisque l'autre recherche pour nous, hein. Je vois pas l'intérêt de continuer. Et ici, même chose, puisqu'on a le droit de choisir si on souhaite ou pas lancer un nouveau modèle ou pas. Et voilà, un nouveau prototype ou pas. Parfait. Même excusez, il y aura sans doute pas mal de boucans, il y a des travaux, bien entendu. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Pour ça qu'il y a eu un petit peu de retard aussi, en partie en tout cas. Ça, on verra après. Alors, nous avons Eternity, mouvement, on voit, oui, ça j'augmente, et des riottes, 25 pour une différence de 125, est-ce que ça vaut vraiment la peine de la méritocratie hein? Pour 53, ouais, jeu de la méritocratie. Le problème, c'est que je vais me prendre. On va faire ceci. On va appeler monsieur ici. Et on va attacher à notre Doug. Voilà. Et on va accepter. On va espérer, on a 41 cette fois-ci. Qu'on n'est pas. Ah ouh, on n'était pas loin, hein, on n'était pas loin. Bon, on se prend quand même 40 dans le nez, bien sûr. Bon, Bobby, elle s'en prend dans le nez, mais moi, ce qui m'importe pour le moment, c'est mon directeur des affaires étrangères. C'est lui qui m'importe le plus pour le moment. Alors, en stratégie, qu'est-ce qu'on a de. Bon, j'ai vu un trade qui passait quelque part, moi. Oui, on a un trade. Donc, on va. Regardez si ça vaut la peine de se faire un petit trade ici, 102 pour 63. Et il n'y a pas de critical. Et il faut combien minimum? Il faut minimum de 40. Là, on les a pas, hein? Non, on n'a que 22, 24. Et ici, on est à 36, donc c'est pour vous, messieurs, dames. Est-ce que j'appellerai mon cabinet? Montre-moi. Toi, tu as
C'est combien le... C'est, je crois que c'est d'oratoire. En tout cas, c'est 18 pour lui, avec un tout petit de sixième sens et un peu mieux d'improvisation. 18, tu vois. Hein? De toute façon, on va te détacher. Ça, c'est sûr. Maintenant, je suis pas sûr que ça vaille la peine de l'attacher à ce monsieur-ci. Oratoire 14, 47. Et notre stratégie, c'est de la diplomatie. C'est 47, donc c'est pas la peine de l'attacher. On va le tenter. On va le tenter. Et ça passait. Ok, bah, c'est parfait. Nous avons maintenant du trade avec ces gens-là. Bien, 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 c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec vous, messieurs? Est-ce que je peux vous donner des sous? Non, je ne peux pas vous donner de sous. Est-ce que je peux vous faire une ambassade? Je ne peux pas faire une ambassade. Eh bien, je ne peux pas faire grand-chose. Ok, on continue. Nation. Alors, nous avons quelques petites choses intéressantes. Écoutez, on va... On va, on va, on va, on va. On va se prendre les crédits quand on en aura besoin. On peut se prendre maintenant des tactical points. Après, on n'en aura plus tellement le besoin. Donc, on va lancer des tactical points. Ensuite, on a un beau sage, mais on le prendra après. Alors, ici, on pourrait se faire de la paranoïa sur carré K. On a de la fire pour le moment, 14 de fire et 6 de ceci. Et sur l'autre, je viens de redonner de Hanson. Non, pour le moment, peut-être que. Ça, c'est quoi? C'est de la fire, hein? Non. Oui, c'est de la fire. 4 des 10 de fire. Maintenant, je ne sais pas laquelle, sur qui ça va tomber. Ça serait pas plus mal que ça tombe sur Hanson. Si ça peut tomber sur Hanson. Par contre, si ça tombe sur carré K, c'est peut-être pas tellement la peine d'en rajouter plus que ce qu'il y a maintenant. 4 des 10. Mais je pense que ça peut patienter un petit peu. On a encore quelques points ici au-dessus, donc ça va. Un temple mystique, Eternity, et celui-ci. Il coûte 3, hein, le petit quête là. Il coûte 3 quand même. Bon, on a fait le tour ici. La zone, de nouveau. Qu'est-ce que vous êtes occupé de me construire, les gars? Donc ici, j'ai une light. Industrie et toi, j'ai une light industrie aussi. C'est bien, hein, de light industrie. J'aurais bien voulu avoir le truc qui augmente vos light industrie privée, mais bon, on n'a pas trop le choix. Et il y avait celui-ci qui était pas mal non plus pour un casino niveau 2. Mais alors, ça serait à carré K, qui a déjà un casino, hein, je crois. Monsieur, vous avez déjà un casino. Ouais, vous avez un casino. Et on est. Attends, je retire ça parce que sinon je vais oublier. Voilà. Et nous sommes en Urlissive. Et casino, tu vois, on a déjà 100 points. Donc c'est peut-être pas le bon truc à utiliser maintenant. Ça, c'est Entertainment, Entertainment de nouveau aussi. Et ça, c'est une école, par contre. Ça serait d'éducation. Mais ça coûte cher. On n'a pas encore d'école, donc c'est pas une bonne idée de le lancer tout de suite. Il vaut mieux d'abord qu'il y ait un niveau. Enfin, nous passons de nouveau ici. Non. Et enfin, ici. Pour le moment, ça, je mettrai sur les mécaniques. Pas les trucs à pied. Non. Ok, on a fait le tour des stratagèmes. Allons voir nos nouveaux. Bon, ici, on en est où? On en est à 2 tours.
pour notre TrickStation et un tour pour celui-ci. Il me semble que c'est en jaune, ceci. Nid 125 points. Oui, normalement j'en avais assez, non? J'ai assez de points, je crois. Donc j'ai 84 points. Attention, ça on va le faire tout de suite, sinon il va me l'augmenter. Ask me later pour Kareka monter d'un niveau. Tu restes au niveau 3. Sinon ça va diminuer nos points ici. Ça va diminuer nos points. Le budget, on verra après. Alors, 50%. Ouais, il me faut absolument ce truc ici. Il me faut absolument ce truc ici. Et il me faut un petit peu plus d'human resources aussi. On va l'appeler la petite demoiselle parce que j'ai quand même besoin de recevoir quelques petits people en plus. Donc, comme on a un peu de points call, priorité, et je voudrais, mademoiselle, que vous me filiez un petit peu. Ça, je ne veux rien. Je voudrais un petit peu plus de ressources humaines. Voilà. Et on va se prendre 5% de tarif. Voilà. Puisque maintenant, nous avons du trade. Jusqu'au moment où j'ai une carte et puis c'est bon, quoi. Voilà. Peut-être même un petit peu plus ici. Voilà. On va travailler ça comme ça. Parce que comme je vais sans doute faire quelques armées supplémentaires, il me faut du personnel. Hein. Faut pas oublier ça. Alors, on vient de finir notre... Donc là, toi, tu bouges pas. Tu restes à 10. Le suprême commande, on va le diminuer. Elle va encore perdre plein dans son nez, elle. Mais on va le diminuer de pas beaucoup. On va le diminuer de 1 point. On vient de finir le foreign, on va le diminuer de 1 point. Un petit peu à la fois, je veux dire. Même si ça leur donne un méchant coup à chaque fois. Le modèle design, tu restes à 18. Même 17%, voilà. Militaire et Economic Council, voilà. Donc on n'a pas changé grand-chose, mais on va quand même avoir des méchants résultats, je pense. Mais ça va, c'est pas... Bobby repère 2 points, plus 1, moins 2, moins 4. Vous voyez, pour un seul point, lui il perd 4 points. Et Glitch perd que 2. Ça, c'est leur égoïsme ou leur ambition, je sais pas. Bon, un des deux, en tout cas. Alors, c'est pas les factions, c'est le cabinet que je voulais voir d'abord. Ouais, 53, les 72 et 62. C'est quand même deux personnes là qui risquent de me poser un problème le tour prochain, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Par contre, qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau des trésoreries? Donc, pour le moment, ça ne nous rapporte rien. Mais je vois que j'ai 34 et 15 encore ici. On va essayer de récupérer ici 47 crédits. On va appeler Kareka et on va le modifier. Et j'ai combien? J'ai 65. Je paye, attends, 65. On paye 4 crédits et eux, ils payent 2 crédits. Ok, j'appelle donc à la barre. Monsieur Thorin Nitium, Monsieur Thorin Nitium, vous allez déposer devant nous. Vous allez diminuer ceci à
Allez, commande, boy. Bon. Non, je peux pas. C'est quoi ce truc? Ouais, viens par là. Chut, c'est quoi ce truc? Alors, il faut que je fasse tout comme ça? Un crédit. Trois crédits. J'ai besoin de sous, hein. Ça c'est. Max Recru, on garde comme ça. Max Coloniste, on garde aussi. On garde tout comme cela, régulier, et on va leur dire de ne pas acheter de people. On a assez de monde. Et bah, acheter des people, ça fait diminuer leur pognon. Voilà, enfin, c'est ce que je pense. Ok, on descend donc à un crédit. On perd 13 avec les workers, mais on est toujours supérieur, donc ça va. Et on increase pour le moment. Toujours normalement, puisqu'on a un truc en plus. Ok, je fais la même chose pour l'autre côté. Hanson. Alors, Hanson, je n'ai que 2800 people. Et je les paye combien? Je les paye 3 et ils sont payés 2, donc ça, je ne peux pas bouger. Par contre, je peux très bien modifier ici maintenant. Tu vois, là, on a 3 points pour le bidule. Moi, avec un seul point, j'aurai assez. Donc, on va de nouveau appeler notre ami ici. Zone order. Merci, monsieur. Alors, de nouveau, ça va être la même chose. Est-ce que je peux? Non, tu veux pas. Hein? Allez, un crédit. Worker, ça bouge pas. Je dirais qu'ici on pourrait peut-être. Manque-moi un peu. On est toujours raider ici. Hein. On est en quoi? On est en. Ok. Bon, on va changer ça. On va passer maintenant en zone intégrée. On va passer ça en zone intégrée, voilà, boum, c'est bon. On a 60. À partir de 50, vous allez pouvoir commencer à changer la cultural adaptation score. Hein. Donc, quand vous avez votre. Si la population loyauté est supérieure à 50. Alors, notre loyauté, je crois qu'on va voir ça. Ben, sans doute ici. Non. Où est-ce qu'on voit la loyauté? Ici, bien entendu. Ah, on est passé à 40 seulement. On n'est qu'à 40. Mais bon, ça augmente la vitesse à laquelle la population, ça double la vitesse à laquelle la population gagne des points ici. Mais bon, on a trois happiness because of mystic celebration, etc. On va perdre quand même 6 ou 7 points à cause de l'unrest, d'accord, mais bon. Moi, j'ai quand même envie de gagner des sous, hein, donc j'ai besoin de sous et j'ai pas envie de modifier à chaque tour le truc. Donc, on va quand même bien rester en régulière zone. Normalement, il vaudrait mieux rester encore un tour ou deux en union corporate. Ça permettrait de subir un petit peu moins ça. Ça me coûtera 2, on va faire comme ça. Allez hop, ça me coûtera comme ça. Voilà. Je viens là et. Donc le problème c'est que je touche pas de fric et que je peux pas recruter, bien entendu. Allez, on fait comme ça. Donc déjà vous allez, mon cher ami, vous allez grimper là-dedans. Ce qui sera pas plus mal. Vous, monsieur. Puisqu'on va. Fermer ce truc, on va vous mettre ici. Voilà. Ça pour le moment, il est à nous, c'est bon. Nous allons bouger après les bleus, il faudra que je les ramène par ici. Hein. Donc les rouges, eux, il faut qu'ils aillent dans ce coin-ci. Et toi aussi. Oui, ensuite,
I1. J'ai besoin d'une route. Est-ce que je peux faire une route ici? R. Je ne crois pas que je puisse faire une route. Non. Non. Pas maintenant, en tout cas. Oui. Combien il me coûte 50 AP pour venir jusque-là? Oui. Ah, c'est pas peut-être pas pris le bon. Ah, on va bien entendu enfermer ce petit monsieur, parce que nous n'avons pas envie qu'il revienne chez son copain là-bas, parce que, comme j'avais dit dans la deuxième vidéo, je crois, les angles d'attaque, ça joue, l'angle d'attaque va jouer vers où? Il va reculer, mais ce monsieur peut très bien repartir par ici, je ne pense pas, parce que ça ne lui appartient pas. Mais il aurait, si j'étais resté ici, il aurait, même si j'attaquais avec le char par là, il aurait quand même pu reculer vers sa zone à lui, par ici. Donc là, c'était une erreur de ma part. Je m'étonne que personne ne l'ait fait remarquer. Hein, les petits gars? Pas de commentaires dans mes vidéos, là. C'est quoi cette histoire? Ok. On va attaquer ce petit monsieur qui est ici. Montre-moi un petit peu. 49 de recon, donc on va faire un petit peu de recon. Alors on a trois personnages. Ah, tu peux pas attaquer toi non plus et toi non plus. Oula. On peut le laisser crever là aussi, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Il est mal foutu là, le pauvre vieux. Et il ne peut plus me gêner véritablement. Est-ce que je peux déjà construire une nouvelle armée avec 2000? Remonte-moi un petit peu ici. Il y a l'anti-tank qui. Donc, on sait qu'il a un char un petit peu particulier, extrêmement puissant. Il serait peut-être intelligent de faire un peu de trimmer gun, mais je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas plus certain que ça. Bon, pour le moment, on est occupé de faire le fighter. On va laisser finir le fighter. Et on va attaquer ou pas ce petit monsieur. Je pense que oui. Donc, on va d'abord commencer par faire un air recon, hein, parce que là on a un 49, donc un petit air recon, je crois que c'était numéro 2, non, je sais plus lequel des deux qui était le. Ou le 1. Ouais, toi t'es un peu plus fatigué, donc autant te faire toi. Ouais, recon-moi ça, mec. Et montre-moi ce qu'il y a là. Ah, il y a un petit char. Il y a un char, hein, un petit char. Alors non seulement il y a des travaux, mais il y a aussi des avions. Il faut croire que les gens partent en vacances, n'ont pas encore compris que l'avion était extrêmement dégageait énormément de CO2 dans l'air, par personne, en tout cas par poids transporté. Hein? C'est un peu dommage. Donc le bidule ici n'est pas exceptionnellement fort, il a 140 de hit points. Et ils sont à 27 et 45, et par contre ils ont 100. Donc là, ça va pas être si évident que ça, mais enfin ça devrait se faire quand même. Monsieur, voulez-vous attaquer ici? Nous allons attaquer avec toi. Ouais, 2,7, ça devrait se faire. C'est costaud, hein, même contre les chars. Voilà. Merci, monsieur. Bien que j'aurais préféré
faire autrement. Hein. Il me reste 10 points et je peux pas me dépasser malheureusement. Vous autres, messieurs, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Mais non, non, vous allez revenir dans ce coin-ci et commencer à protéger. J'aurai bien quelqu'un qui, lui, pourra venir ici après. Hein. Ok, t'es dans la neige, t'es dans la neige à moins 3, ça devrait se faire. Hein. Moins 3, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, nous pouvons maintenant attaquer ce petit monsieur-ci, puisqu'il est bien entouré. Et nous pouvons faire ça avec quoi? Avec, ici, nous avons du bleu. Est-ce que le bleu... Et toi, tu es à combien? Tu es à 127, ça devrait se faire. Ouais, je pense que... On devrait être correct là. Du bleu, 3,8. Et encore un petit bleu, 3,9. Et un petit coup de char, pourquoi pas? Tant qu'on est fou. Plus on est fou, plus on rit. Regardez un beau petit 40%. Vous allez mourir, mon cher ami, de votre belle mort. Et en plus, on fait des petites touchettes quand même de nos copains. Bien que ceux-ci doivent en avoir fait encore un petit peu plus. Mais bon, tout ça, c'est parfait, ça. Nous augmente les morts. Bien, 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 bien. Merci, monsieur. Et on peut avancer. Alors, tout ça, je ne pense pas que je vais continuer à avancer avec les bleus. On va revenir en arrière. Les rouges, par contre, seront intéressants. Toi, tu devrais récupérer tout. Mais le problème, c'est que comme tu n'as plus rien maintenant. Oui. Mais bon, le tour prochain, il va récupérer. Hein, il va récupérer le tour prochain. On a du rouge qui ne peut pas bouger. Pourquoi tu ne peux pas bouger? Et toi non plus, tu viens de te positionner dessus. Ok, le bleu, lui, il peut remonter là, mais c'est pas nécessaire. Et le bleu non plus. Et toi, tu pourrais venir ici. Tu pourrais donner un petit coup vite fait, quoi. Aider un petit coup rapide, quoi. Hein? Le temps, oui. T'as quand même pas de défense énorme. Mais t'es très bon en attaque, donc pour le moment, je vais te passer ici. Ici dedans, j'en ai. Ok, ici j'en ai. Et toi, tu as combien de personnes là-dedans? C'est de la pleine Gracie, 100 miliciens bikers. Et il y a combien de découvertes? 72. Qu'est-ce que tu me donnes ici? J'ai combien de personnes? Moi, j'ai que la 10e MG, hein, donc. C'est un petit peu juste. Ici, par contre, on a pas mal de monde qui pourrait venir attaquer. Mais ça, c'est de la forêt. Et là, il risque d'y avoir un petit peu plus de monde. Mais on est quand même un bon paquet à pouvoir t'attaquer. Montre-moi un peu ça, mec. Un peu juste, hein. Parce qu'ils ont pas mal de défense. Marque le char, lui, il donne même. Ça, c'est à qui ça? C'est à Topéliam, il n'y a plus personne là-dedans. C'est bien possible qu'il n'y ait plus personne. C'est possible qu'il n'y ait plus personne. C'est possible qu'il y ait quelqu'un aussi. Parce que s'il n'y a plus personne, je plonge là-dedans, moi. Bon, 6 miliciens. Ouh, t'es tout seul. Si je viens faire une petite reco sur ceux-là, voilà, ça devrait m'ouvrir le champ d'à côté. Bah, si je ne fais pas correctement
Si j'appuie pas sur mon petit truc ici, voilà, on se fait donner un reco. Montre-moi un peu ça, mec. Alors, il était. Non, 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 il est toujours libre. Hein. Ah non, ça c'est Brunemark. Non, non, il était bien. Ils étaient cachés. Ils étaient bien cachés, hein, les petits quêtes là. Bande de petits vicieux, hein. Heureusement que j'ai lancé mon petit bidule. Donc, là, t'es en forêt. Là, t'es en double forêt. Là, t'es en pleine gracie. Avec 87 de reco. Ouais, nos 800 sont peut-être un peu dangereux à attaquer. Hein. Sont peut-être même sans doute assez dangereux à attaquer. Je crois qu'on va patienter un tour. Alors, ici, on ne peut être attaqué qu'une seule fois sur celui-ci. Donc, je vais redéployer ces petits mecs ici, là-bas. Je préfère qu'ils soient deux, parce que là, il y a quand même quelques... Il y a au moins un char, hein, déjà. Ici, ils peuvent attaquer à deux, mais là, ça va, je suis en Ivy Forest, et donc mes deux mecs sont à 200. Voilà, là, bis et bidule, et donc toi, tu peux être attaqué à deux, toi, tu peux être attaqué qu'à un seul. Voilà, on va répartir des charges, si on peut dire. Toi, j'ai un peu peur, hein, mais bon, on fera avec, on fera avec. Je crois qu'on a fait tout le tour de ce que nous pouvions travailler à ce niveau-ci. Alors, ici, pour le moment, je dois garder ça. Par contre, le L, ici, le petit monsieur qui est ici, on ne va pas le garder dans la ville, parce que si vous le gardez dans la ville... Bien, si on se fait attaquer, lui, il va tirer pour se défendre, donc il va nous radioactiver nous-mêmes, et je n'ai pas le choix, même s'il n'y a qu'un seul petit milicien qui vient m'attaquer, je perds mon Hellraiser. Donc je préfère garder mon Hellraiser, disons, sur le côté. Voilà. On va garder le Hellraiser sur le côté, et comme ça, on pourra viser après le GR, je sais plus quoi, la cataphracte, je crois que ça s'appelait, le méchant char qu'ils ont de l'autre côté. Alors maintenant, réflexion, par où partons-nous? Est-ce qu'on vient attaquer par ici? Ou pas? Bon, j'ai 178 en moins de mort, reste 278, c'est suffisant. Je crois, hein, il me faut combien? Pour le moment, il me faut 100 et 125, 225 pour le tour prochain. Donc j'ai suffisamment, plus peut-être des réserves, je n'ai pas fait attention. Est-ce qu'il me fallait des réserves, des gens à récupérer? Alors, j'en ai 300 d'avance et j'en ai 100 d'avance, donc ça a l'air d'aller. J'en ai 400 qui traînent. Ouais. J'ai 200 milices, 100 et 100. Donc là, j'ai assez de monde. On va faire un R de retraude. Alors là, tu me coûtes 40. Là, tu me coûtes 40 aussi. Voilà. C'est bon. Messieurs, vous allez vous déplacer jusqu'ici. Vous.
aussi, oui. Combien tu descends, toi? Tu descends à 70, toi, tu perds 30. C'est un peu con, mais bon. On va ramener tout le monde. G, c'est G, Group Move, ouais. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait. On ne peut pas en faire. Ah si, maintenant, il faut que je fasse. Déjà, je repasse en I. Comme ça, je ne fais pas de bêtises. Et je vais essayer de vendre. Rien du tout. Je ne vais rien vendre du tout. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Plus rien. Je ne peux plus rien faire pour l'instant. On tourne.